Salut, je vous présente Lucie, ici présente. Alors on se connaît pas beaucoup avec Lucie, mais c'est une baby youtubeuse comme moi. On se suit depuis quelques mois maintenant, ouais. Et on se soutient, etc. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. On est en train, parce que c'est pas fini, de tourner une vidéo avec elle, de cuisine. Donc cuisine et moi, je pense que vous me connaissez. Cuisine et moi, c'est pas beaucoup mieux donc. Lucie fait beaucoup de vidéos DIY. DIY. Personnellement. Sur plein de choses, elle a même fait... C'est mon four. Elle a même fait une vidéo sur un minivan qu'elle a fait dans sa Clio 2. Et ça, c'était vraiment trop trop cool. Donc allez là-dessus, je vais vous mettre évidemment sa chaîne dans la barre d'infos, barre de description, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, elle va m'apprendre à faire du patin à roulettes. Je suis pas du tout une pro du patin à roulettes. Si, mieux que moi en tout cas. Il faut savoir que moi je suis une trouillarde, donc les patins, ça me fait peur. Mais c'est un de mes rêves de savoir en faire. J'ai essayé un petit peu d'en faire l'été dernier, hein, j'ai fait des photos et tout. Pas une grande réussite, donc là j'aimerais bien être un peu plus à l'aise. Au moins, savoir au moins avancer un peu, ça tu sais faire. Oui, avancer oui, les autres trucs non. Parce non que... mais on n'en est pas là, on en fait, est pas là. Vraiment le patin roulette j'en ai fait une fois, sinon j'ai l'habitude du roller. J'en ai fait qu'une fois le patin roulette. Hein. Oui mais du coup ça tu sais faire du roller, donc c'est quand même oui. À peu près les oui. Mêmes, voilà. La sensation n'est pas la même mais le mouvement est le même en soi. Voilà c'est ça, donc elle va m'apprendre au moins à rouler, après c'est sûr que faire des acrobaties c'est pas le but. Comme elle est venue me voir chez moi à Vincennes, d'ailleurs ma chambre vous la connaissez pas mais elle est pas finie, attention. Donc je vous spoil un peu, mais du coup bah on s'est dit pourquoi pas tester ça, puis un jour peut-être que j'irai chez elle et puis on fera d'autres vidéos. Mais quand tu veux. Ah bon. Par contre faut qu'elle se change parce qu'elle est en robe. Ouais et en plus c'est en mode portefeuille donc... La culotte, la culotte. Bref, on se change et puis bah c'est parti. On est dans ma cour et il y a tous les voisins qui peuvent nous voir. Et je sais pas où sont mes protections, elles sont quelque part. Vous avez une poussière. Du coup j'ai pris des mitaines, c'est tout. Et j'ai mis un sweat et un pantalon. Voilà. Ouh putain. Vous avez besoin de la poubelle? Hop, merci. Il y a un voisin qui avait une poubelle à jeter. Et le trépied il est sur la poubelle. Alors, je sais pas faire grand chose en patin roulette parce que je débute encore en patin roulette, mais je sais à peu près avancer sans me casser la figure du coup. Et en fait, l'idée c'est pas de faire comme ça parce que sinon tu vas rester sur place, c'est d'aller toujours vers l'extérieur un petit peu. Non, en fait, c'est que j'avais peur en fait de rester le moment où je reste sur une jambe de vriller, je sais pas de. Et du coup, j'avais trop peur ouais. De. Mais du coup, j'ai pas le choix. T'es pas obligé de rester longtemps sur une non, jambe. Non, je sais, ouais, mais. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux que je commence là-bas parce que vu que ça descend comme oui. Ça. On est d'accord. Oui, très bien. Tu prendras moins de vitesse et ce sera plus simple de s'arrêter. J'avais réussi quand même un petit peu à marcher quand même, tu vois. Ouais. Mais bon, dès qu'il y a un petit caillou, je suis comme ça. Ouais. Ah, mais moi aussi. Bon, bah, on est de merde. Allez, let's go. Ah, j'ai oublié de te dire. Non, mais d'accord. Vas-y, là. Vas-y, je te suis. Enfin, là, tu me suis, mais dépêche-toi. C'était un échec. Ah ouais, non, mais elle va à l'envers, quoi. Je suis vraiment une de focus. Et en vrai, je vais à l'envers, mais avec un pied. Au lieu de faire 1, 2, 1, 2, je fais. Il y a trop les jambes. Donc du coup ce qu'on peut faire au lieu d'avancer juste comme ça, c'est faire des citrons avec les patins. Donc en fait on va écarter
resserrer, écarter, resserrer, faire comme des citrons. Et ça permet soit d'accélérer quand on écarte, soit de ralentir quand on resserre, mais s'arrêter, c'est ma méthode pour m'arrêter parce que j'arrive pas avec le patin. Mais c'est vrai que c'est un peu plus délicat. On va faire ça en descente, hein. Oui. Pas en montée. Parce que... Ok. Et honnêtement, faut quand même réussir à ralentir suffisamment avant que les patins se touchent parce que sinon ça arrête net. Et là, c'est la chute. Bah, let's go. Et quand tu resserres, si tu contractes certains muscles, ça te ralentit. Genre, c'est bon. À force, Ouais, c'est ça. Tu mets tes pieds dans cette direction-là, mais tu pousses comme si tu voulais un peu écarter tes jambes, mais en les gardant. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, je vais y aller. C'est ça que je En fait, on n'est plus dehors, hein, comme vous le voyez. On est à l'intérieur parce qu'on a fini sa vidéo ici. Et on est en retard, elle a un blabla car. Donc on va se dépêcher. Bah écoutez, c'est pas très concluant. J'étais un peu plus à l'aise à la fin, mais c'est quand même pas concluant. Moi, il me faut vraiment, je pense, toute une journée pour finir à l'aise. Enfin, au moins toute une après-midi. Là, on a fait genre 20 minutes de patin, c'est quand même très court. Donc il faut que je m'entraîne, Et peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, je serai plus à l'aise. Ouais. Ou alors tu me réapprendras, j'en sais rien. Mais en tout cas, toi, tu es plutôt pas mal à l'aise. Ça, c'est cool. Merci. Bah, puis j'espère que d'ici la prochaine fois, j'aurai appris quelques petits trucs aussi. Notamment à m'arrêter avec le patin avant et pas seulement en mode chasse-neige. Et je vous spoil un tout petit peu, je vais pas montrer tout évidemment. On a fait un cookie géant en forme de quelque chose. Voilà, je vous spoil pas parce que faut aller voir la vidéo sur sa chaîne évidemment. En tout cas, merci Lucie de m'avoir appris un petit peu. En tout cas, le citron, je ne savais pas. Donc, elle me l'a vraiment appris. Et puis, il faut vraiment que je sois plus à l'aise, quoi, sinon, voilà. Merci d'être venue, en tout cas, à Vincennes, parce que si tu as fait le trajet, c'est très cool. C'est pour ça que la prochaine fois, si vous la voyez, c'est moi qui vais aller là-bas, hein, quand même. Chacune son tour. Ouais. Et puis, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bye.